le GeoChallenge, c'est une compétition, une mini-compétition qui est organisée par le SPW Digital, où on va chercher des institutions privées, des institutions publiques, la formation professionnelle, et on leur demande de développer une application web qui est innovante et qui utilise les géodonnées que nous avons sur notre service géomatique. Le but est d'avoir une application qui n'a jamais été créée auparavant et qui crée des fonctionnalités, soit pour l'administration, soit pour les usagers. On sélectionne des lauréats et ensuite on finance le développement de l'application. Il y a eu 4 thèmes, 4 lauréats cette année. Le bilan de cette deuxième édition est très positif parce qu'on a des initiatives qui sont très variées dans le domaine de la mobilité, dans le domaine de la gestion des bâtiments, dans le domaine du 3D, et avec vraiment quelque chose de très créatif. Donc on est ravis d'avoir vu ces applications naître et surtout on pense utiliser deux de ces applications directement dans l'administration et on va aider les autres à rendre leur application disponible à l'ensemble des usagers. Alors ce GeoChallenge, c'est vraiment un laboratoire pour le SPW Digital, puisqu'au travers de cette compétition, on met en œuvre des pratiques d'innovation, d'agilité, on met ensemble des gens qui sont issus d'horizons différents pour collaborer à la création d'une application de manière itérative. Et ça, c'est une vraie valeur ajoutée et c'est tout à fait les pratiques qu'on veut voir se développer au sein du SPW Digital.